balande kongole fi television na banza yete lelo toko beta masolo ninge tolobaka awa te masolo ya mboka beta makana bana mboka parce que lelo toko tala situation en République démocratique du Congo esengeli to beta non masolo to lobela yango parce que makambo koleka na mboka ko permettre lelo yo ba congolais bazala informer na situation non sur ezali musala o toko sala ya qualité parce que bino pe boko pesa biso maboko yango wana na ko pesa un grand merci na bino nyonso lelo yo ninga koloba yete Congo Live Télévision lelo comme grande famille et grande famille de partout au Boko Zoabiso, communauté congolaise à Canada, communauté congolaise aux États-Unis. En tout cas, un grand merci Nabino, Naba message Neng Bozali Kokoma, communauté congolaise à Londres, à Belgique, à France. En tout cas, un grand merci aussi Naba président, Naba vice-président, Nyonso ya communauté congolaise au Bazali Bongo na côté à Châteauroux, Tobo Sanabinoté, parce que Boko Tinda ba message et que ça l'a toujours fierté parce que Bozali na posa boyeba. Situation que le Kanaka la République démocratique du Congo, ils allaient malgré ezala biso tozali na kati awa ya kati République démocratique du Congo, ezala bino bozali libanda bisonyoso tozali ba congolais o ezo le Kanaka ta mboka na biso singeli to pesa peto panza information car ne ezali ko kende na Congo na communauté congolaise nyoso ezali na Afrique du Sud pa peto komo na bongo mwana mboka le secrétaire Benikuelo. En tout cas, un grand merci na bino nyoso na nyoso boko sala boko koma boko boko sala ba 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 don. En tout cas, merci mingi pour na ba don parce que ceux qui les autres ali boy ali pour na nyoso bino boko boko sala parce que Congo Live Télévision aujourd'hui et koko ma grande famille hein, surtout là où ils ali beaucoup plus implantés na est République démocratique du Congo tokopé sabino tout cas ma boko et puis tokoyé ba été tous ali de cœur na ba situation sur les Kanaka de République démocratique du Congo lelo ezali ndenge tolobaka ete masolo ya mboka oyo ya lelo tokobeta ezali discours ya chef de l'État. Discours à chef de l'État salami ba yi opposition ba ko contester ba lobi ah bon voilà toko kende toujours na maloba c'est na maloba mais situation eko ko kende toujours de mal en pire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut-il continuer par la diplomatie ou soit ko meka ko changer mécanisme mususu? Est-ce maloba oyo président de la République ya lobi et pas yo pa lobi eto ko sangana ka awa na sommet. Mes rapports mapping ti lelo ezali non traité mais à chaque photo zo ka ka sommet. Est-ce que les lo communauté internationale peut éco tourner dans la République démocratique du Congo peut mon congoté? Est-ce qu'il faut-il compter toujours la communauté internationale? Mais de l'autre côté là, tout monde y est processus électoral et ça y ko garantir penzate mais lelo ba quitte électoraux yango yi bandi koya. Est-ce éco garantir lelo processus électoral? Ma poname ko sale manenge nini na état de siège na est na incertitude en akata capitale ya Kinshasa ya République démocratique du Congo ezali bongo Kinshasa mais mwana mboka oto kozwa lelo ya memeli biso pe preuve moko a memeli biso vérité moko oto koyoka mais to comprendre est ezali pour na finalité ni mwana mboka Diego Kaiba mbote nayo. Mbote ndeko Olivier, mbote na bala nyonso ya Congo Live. Plaisir makasi ya koya koleka na plateau na bino na tala na bino wala musika et na ki ne songo mingi ko yamba invitation na yo. Et voilà pourquoi na kati memba occupation mususu na bina ya ta mwanda mota quelques minutes. Tout à fait. Sans na répondre invitation pour na ko analyser certaines questions et actualité où ils ont engagé mboka et puis discours ya tata Mokonzi Ekolo. Voilà pourquoi mais qu'on répond à l'invitation. Je vais vous abonner sur Congo Live. Merci. Je vais vous abonner sur la situation de la République démocratique du Congo. Mais avant, vous avez une thématique qui est en Mboka. Situation politique de la République démocratique du Congo est interpellée. La santé politique de la République démocratique du Congo. Et que tu as dit que tu as dit que tu as une scène politique, que tu as dit que tu as dit que personnellement, tu as dit que tu as dit Mboka tu as dit que tu as Mboka que tu as stagné que tu Mboka. Mboka eko kende liboso sur le plan gestion de la République de la part ya tata Mokonzi Ekolo sauf que biso ba congolais et puis ba politique to mesana ki ou ba mesana ki na moi bizaleli moko ya mabe hein to lingi ming stagnation c'est-à-dire to mesana ki no a soto komiawa te to organiser élection te to ki na dialogue c'est-à-dire a soto komiawa te to sa la partage des pouvoirs a soki to komiawa to finga ata amélioration ezali to mona yango te to boya yango a soki to komiawa tout le gâteau crée des problèmes pour déstabiliser Mboka. On a des habitudes, puis on a des coutumes,
bah y a biso ba congolais na lo ba bongo na chaka ba politique y a biso ba congolais mais on sent de la part ya président de la république quand même une certaine volonté ya koluka ko bimisa pays na kati ya gouffre parce que ezak gouffre mo makasi aux ali ko engloutir pays mais on sent une certaine volonté de la part ya président de la république ya koluka ko bimisa pays na kati ya gouffre wana et c'est pas facile parce que c'est tout un système alors détruire un système c'est pas facile il avait dit au début de son mandat que je suis là pour déboulonner. Et nous sommes en train de constater que non, il est en train de déboulonner. Mais ce n'est pas facile. On ne déboulonne pas un système tout en un clic comme ça. Mais on sent qu'il y a quand même une bonne volonté. Il y a quoi améliorer quand même la situation politique. Certes, il y a des ratés qui ne manquent pas, étant donné que c'est l'œuvre humaine. Et nous encourageons quand même cette bonne volonté et puis cette amélioration. Mais le climat politique, moi j'estime que non, le climat politique a évolué. Ce qui va trouver mon langage est stagné, c'est peut-être parce qu'on est habitué à des coutumes moroboué qui sont peu orthodoxes. Voilà pourquoi on se voit que non, ils sont avancés, mais sans analyse, moi, malamou, l'ismo est patriote, l'ismo est nationaliste, au moins que non, il y a quand même une amélioration dans la situation politique qui est beaucoup en ambition. Voilà, et mon langage. Alors, il y a une amélioration de la situation politique et la République démocratique du Congo. Mais tout le monde a une thématique. Les lois, tout le monde a le chef de l'État, le sommet, le 78e sommet des Nations Unies. Le chef de l'État a plaidé. Tout le monde a un esprit de panafricanisme. Et quand il n'y a pas le chef de l'État, il y a un pays, il y a un monde. Na o Italie, le climat, il y a Zimbabwe, il y a mais tout le monde a une République démocratique du Congo. D'abord, avant que nous n'ayons pas de côté, nous avons dit que nous avons analysé le discours du chef de l'État et nous avons analysé le discours de l'État. Nous avons noté trois points dans le discours. Notamment, le chef de l'État dans le discours, nous avons activé ou retenir l'attention de l'État. Trois points. Il a fait un bon plaidoyer. Tout à fait. Il a fait un bon lobbying. En même temps, il a haussé les tons. Vous remarquez, on le voit en vrai. Il a fait un bon plaidoyer, il a fait un bon lobbying, en même temps, il a haussé les tons. Il a haussé les tons. Un bon plaidoyer dans quel sens? Il a parlé de la République démocratique du Congo. Il a parlé des massacres qui se passent à l'est de notre pays. Que Makamwezali, boye. Vous s'occupez dans vous parce que la population continue à couffer. Tout à fait. Je ne vais pas trop entrer dans les détails pour nous voir le sujet. Dans le plaidoyer, nous rappelé que non, le Congo a la potentialité de faire développer l'Afrique. Mais regardez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a un obstacle majeur pour le développement de l'Afrique. Si réellement vous voulez le développement de l'Afrique ou de notre pays, il faut venir intervenir. Mais quand vous ne venez pas intervenir, vous laissez ça. Hein? On peut noter que non, il y a une sorte de complicité. Tout à fait. Le lobbying, il a parlé du rapport mapping. Rapport mapping, il existe un rapport mapping. Pourquoi vous ne mettez pas ça en application? Il faut mettre ça en application. Parce que ce rapport va faire en sorte que non, qu'il y ait des sanctions nécessaires contre les pays agresseurs. Ce rapport va faire en sorte que non, tout soit justice internationale. Pour ne pas crimes se commettre dans l'Est et la République démocratique du Congo. Et il a haussé le ton dans le sens que non, vous êtes là, pourquoi vous ne dites rien quand le Rwanda est là? Quand le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo, vous le savez très bien, pourquoi vous ne dites rien? Il a essayé de hausser le ton. Et après, je l'ai vu, après, en dehors des tribunes des Nations Unies, je l'ai vu dire que non, les États-Unis ont adopté une sanction en ce qui concerne la coopération militaire entre les États-Unis et puis le Rwanda. C'est déjà une avancée. Voilà pourquoi je parle d'une avancée, mais les gens n'arrivent pas à voir parce qu'on est habitué à voir quel est mal. Surtout au Moula Rama Bewana, et on sera là que pour stagner, on va tourner en rond, trop évoluer. Parce que même si Yom Toso critiquait les lobbies, péché au lobby, sur le système Manezali, Mouté Mamabe, Likunduana, papa, on ne fera absolument rien parce qu'on est habitué dans Mouté Mamabe. On se ressent pas dans égal noir. Miro n'est pas même pas dans égal noir et tout cas noir. Mais pourtant, on ne tient pas compte que tant que vous êtes au bout et vous voulez voir noir dans ses actions ou vous voulez voir noir pendant sa gestion, vous ne tenez pas compte qu'il y a population où il n'y a pas dirigé le lobby. Or,
il y a une continuité dans la gestion de la République. Il faut ça la 1, il y a la 2, il y a ça la 3 pour la République et avancer. États-Unis est bon à dire. France est bon à dire. Parce que moi, il y a volonté ça la moko. Cela ne veut pas dire que nous va critiquer. Non, on doit critiquer. Si on critique, c'est pour permettre que nos actions aient à améliorer. Mais en ce qui concerne les discours du chef de l'État, j'ai noté quand même ces trois points positifs que je viens d'évoquer tout à l'heure. Voilà. Maintenant, quand tu as la sikoyo, nenge makambo ko kendele na discours du chef de l'État, chef de l'État lobeli makambo maponami. Mais le lot tout côté là contexte oyo et que ça moi pas si ba opposition ba ko contester déjà à l'avant maponami. Et maponami est allé crédible. Mokonzambo Kasengi, ma mission est observation, boya, parce que ma ponami est Zali. Mais tout côté la n'est rythme qu'au Kendele. Ce qui est le 20 décembre, ma ponami salamete. Est-ce que Mokonzambo a respecté ma lobanaya lobina na face à mon entier, mon amboka? Et comment il non, faut tout ça différence. Mokonzambo a toute sa bonne volonté pour organiser l'élection. Et Mokonzambo ne peut pas se transformer, ne peut pas devenir, il ne peut pas être en même temps président de la République, en même temps président de la CENI. Lui fait des sommets pour que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels, à confiance entre les mains de Denis Kadima. Denis Kadima les rassure que non, il y aura les élections. Et lui, quand il se tient du haut de la tribune des Nations Unies, il doit dire les contraires. Il ne dira pas les contraires. Parce qu'on sent que non, il y a quand même une bonne marche par rapport au processus. Il y a organisation des élections. Tata Moko disait à l'école, alors lui que non, je vous rassure qu'il y aura les élections en cette année, le 20 décembre. Parce qu'il a reçu un gage de la part de l'organisateur. Il ne peut pas se substituer en même temps en président de la CENI. Mais il a reçu quand même un gage de la part de membre plénière qui lui rassure que non, il y aura bel et bien les élections. Ouais. Le gouvernement n'a rien co-financé, ma politique. Gouvernement n'a rien co-financé. Et voilà. Soit moi que le gouvernement n'a rien financé. Et que le président Sini a rassuré que non, tata mon conseil écolo, ah, tu as un stade de combien, ça va aller, tu as une élection. Parce que tant qu'on va avoir des difficultés, non, ah, tu as un problème de difficulté. Tout le temps, on a un média, Sini a un problème de financement, Sini a. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore senti cela. On peut dire quoi? Il a tout à fait raison de dire que non, il y aura bel et bien les élections. Il faut comprendre, Bande Kobele, il a préparé pour une nouvelle élection. Entre autres, Bande Kobele opposition. Faut de quoi? Faut de l'organisation au niveau interne. Organisation au niveau interne, tout le monde ensemble, les loyaux, il y a Moïse Katumbi qui a redynamisé le parti. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Les loyaux, ils ont évité de se faire. Ils ont continué toujours à redynamiser le parti. Redynamiser le parti quand on a 2 mois d'élection, ou 3 mois d'élection, ou 4 mois d'élection. Le parti va préparer la base bien longtemps. Ce qu'on veut redynamiser le parti, à 3 mois, 4 mois d'élection, et puis au lundi, au gagner mon tour, un bilan. Moi, la différence que mené Zali, il y a la promesse. Maintenant, moi, je vais te remercier. Mais il y a une goutte à refondre, Félix, à toi, tu sais, il y a un président, ma promesse. Moi, je suis en train de clair, par toi, collègue. Alors, il y a un peu de babino. C'est faut que tu pas à ophtalmologue. Ou toi, tu as maladie à Miss. C'est que Miss n'a pas fonctionné. Parce que, il y a un peu de gratuit. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de gratuit. À moins que peut-être même un peu de temps, il y a toujours. Mais si réellement, il est congolais, il y a un peu de gratuit. Comment il ne sait pas voir ça? Promesse. Il est permis à tout homme de faire des promesses. Ah, mais il faut que j'ai télé au propre, le loquet Moïse Katumbi a fait ça, ma promesse. Il est permis à tout homme de faire des promesses, mais c'est la finalité qui compte. Le président de la République avait promis, il a réalisé. Nous devons noter, de Konangaï, qu'il n'existe pas de mandat politique parfait. Lui-même, Katumbi n'a pas de problème dans son parti. Il y a à promettre. Attendez, il y a à promettre tout. Mais pourtant, on sait, on a vu récemment ici, il y a des députés qui se plaignent que non, Aza a cotisé, mais Aza a un problème, Aza s'est retrouvé.
Au bout, c'est un problème d'un coup. Et bon, ce problème, il y a des balles au bout, ça n'est rien. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a des histoires à arranger. Il y a une partie à ma promesse qui sont réalisées. 80%. Et si 20% n'est pas réalisé, vous direz à cette personne qu'il est menteur? Non. Là, vous voulez qu'elle a atteindre la perfection. Or, un être humain ne peut pas atteindre la perfection. Avantage, il y a Tata Mokodi Eko, le Félix Antoine Tshisekedi Zali, qui est non. Lui, il a un bilan. Mais Katumbi, Fayulu, Matata Mukwege viendront avec des promesses. Matata, il est là à combien ma bonne gouvernance na et à ça là na pendant comme la premier ministre, il est là à quoi accuser gouvernement ça malukonde que bon mignon ça ou y a tika qui vous osez que Matata indirectement non vous osez Matata n'engeni bonne gouvernance nani Matata pour une lobby qui a ça là qui bancarisation, il est là Isali, il est là les fonctionnaires à l'État quand même Bazali bien servi à travers la banque. Les scandales que cette histoire a créé. Les scandales que cette histoire a créé, des rétrocommissions, depuis des détournements, la catchouana, on a des histoires qu'on garde, tout ce qui a été bon, bien, tout pour ça n'a pas mis l'élection. On les sortira tous les là-bas parce qu'on va brandir ça. On va brandir ça. Bota là-haut à détourner. Bota là-haut à escroquer. Bota là-haut à ce qu'on va fonctionner. Bota là-haut. On va bien dire que non, après quelques jours, à la tiveste, à Bimbe, à Tiva, comme au Loba, ah, t'es un gars, Nazabou, je suis saint, je suis ceci, je suis cela, je vais gouverner ces pays. Mais bien, on va dire, autre gars, Mouibi, tu mets ta gana, le pont, on a mis ça. Mais le long, on prêchait, tout le monde, gouvernance, Badibanga. Mais personne n'a su remonter les budgets à l'auteur de Samaloukonde. Samaloukonde a triplé les budgets. Soyons honnêtes, s'il vous plaît. Opposition, mais les budgets frappent. Parce que le budget, en termes de mobilisation, le budget validé, rentré par les matières à septembre, est commis 16,6. Mais 16,6, d'ailleurs, tu as mobilisé combien déjà, mon amboka? 16,6, ou alors. Parce qu'ils ne s'attendaient pas qu'il y aurait un homme au niveau de Samaloukonde qui peut remonter les budgets jusqu'à ce point. C'est un miracle. Le miracle de nommer Samaloukonde. Et ça, c'est le miracle de nommer Samaloukonde. C'est qu'ils ne l'ont pas fait. Ils avaient la possibilité, mais ils manquaient de bonne volonté pour arriver à faire tout ça. Voilà pourquoi moi, ça, c'est le miracle de Samaloukonde. Voilà pourquoi moi, Matata fait combien d'années? Les budgets étaient que stagnés. 4 milliards, 5 milliards. Après 3 ans ou 4 ans. Ah, mais il vaut mieux que 4 milliards. Au Congolais, on s'est retrouvé que 16 milliards, il y a frappe. Au Congolais, on s'est retrouvé que Non, il faut préciser que Mercedes va produire ça sous Yutong.
Là, c'est une précision d'état. Il y a Mercedes qui est produit. Il y a aussi une marque Yuton qui est produit. Nous avons des détails qui sont en train. Frappe par rapport à quoi? Par rapport à qui? Celle de rangement à Matata pour nous jusqu'à présent. C'est-à-dire que nous avons un jeune monsieur comme M. Samalo Konde réaliser un tel exploit. Et c'est le rôle qui est ici, c'est comme s'il va manquer de respect. Lui qui prétendait être le maître en économie, le maître de tous les premiers ministres, mais il voit un monsieur débarquer avec des exploits hors normes et sans précédent. Voilà pourquoi nous avons une agitation dans la Gatine. Alors, il y a Congo Airways. Qui était l'actionnaire principal? L'actionnaire principal des individus. Qui occupait les fonctions de l'État? Oh, la carte à Congo Airways. Au moins, il y a surtout temps où les gens sont au bon milieu. Non, de tout côté, maman. Soit il s'agit à tout le mandat qui a aussi qui ça. Mais, bah, Congolais, bah, y'a pas qu'un. Ayebi, ma tante en Azan, Ayebi, bah, n'a pas d'actionné à la carte à Congo Airways. Ah, non, bah, au bon milieu. Mon dernier, mais la radice, on dit à tout le monde, on dit à mon bébé, on dit à mon bébé, on Congo Airways. Au moins, il y a ça, ma tante Ayebi, non? S'il accepte d'être jugé, il fera ma carte. Je vous dis, ma tante, s'il accepte d'être jugé, à qui m'en assis, je ne peux pas être jugé par ici, par cela. Acharnement politique. Que, voilà, parce qu'avec non, si je me présente devant mon juge naturel, je ferai ma cale. Ma tante, si il se présenter devant son juge naturel, qu'il accepte de répondre aux questions des juges, mais il fera ma cale. Mais je suis énormément corps, parce que les Congolais sont ma tante, Ponyo, contentieux la justice, 285 millions à Bukangalonzo. Mais ma tante pour n'avoir tiré la candidature. Oh, c'est ni pays ambi. Est-ce que ma tante pour n'avoir la veto, ma solide zanengeni ni mon ambo. Voilà pourquoi je parle des ridicules. Ne tue pas dans ces pays parce que mon droit ma tante. Moi, à sa place, je ne déposerai pas ma candidature. Je me présenterai d'abord à la justice afin que je sois jugé. Et si je me sens que je suis purifié, je pars déposer ma candidature. Pourquoi il a précipité d'aller déposer sa candidature? Aïe, bien on est à ça, on est à la procès. Ceux qui n'ont qui mis autour. Il a déposé candidature là et qui va boyant. Je vais bandir que non, c'est l'acharnement politique. Or, en réalité, ma tata est jugeable et il a des antécédents fâcheux dans sa gestion. Il doit répondre à sa gestion antérieure. Voilà pourquoi, à précipiter au déposer candidature, au cas où justice est mis interpellé à l'acharnement politique. Et puis, il commence à brandir des termes économiques fallacieux là, au nom bonne gouvernance, ceci, cela. Mais or, en réalité, ma tata sait que non, je n'ai pas une bonne réputation. Ma tata n'a pas une bonne réputation. Moi, si j'étais son conseiller, j'allais l'interdire de ne pas postuler. Oh, oui. Mais toi, comment on a quand même, parce que toi, quand on a le processus électoral, donc tu as toujours un discours, il y a chef de l'État, il n'y a pas un discours, il y a processus électoral, il n'y a pas un discours dans le processus électoral, il y a un autre qui a abordé, qui a un peu quand la situation, mais toi, comment on a président de la République, à peine la République démocratique du Congo, et à ça, il y a un bitumba électoral, il y a un peu de candidat, il y a un peu de détails, il y a constamment un peu de Oui, mais je suis en Tissiko. Fatiam de ma vie. Niveau assisi, ma candidat politique. Moi, légèrement, je suis en classe politique, papa. Remarquez. Papa est. Joseph Kabila, en son temps, en 2006, il avait comme challenger qui à l'élection présidentielle. Bon, un bandit, au moins, à tout le monde, hein, Jean-Pierre Bembo, ça dit que non, moi, kilo. Au Taliban, paye, tout le monde, ça dit que non, ancien gouverneur, vous sentez que non, ancien gouverneur, ancien premier ministre, bah, ça kilo. Oui, en 2011, malgré IDP, ça boira aucune élection. Voilà. Oui, en 2011, Kabila avait qui en face? Etienne Tshisekedi. Papa Etienne Tshisekedi, B50. Mkomanzo. Vous sentez que non, un candidat de taille. Oui, en 2018, il s'est retiré, a présenté Dauphine à Tal en face, c'est un Fachi, Kotobe Talidofe, ancien président de la République. Mais toi, en 2023. Ah, Moïse Katumbi. Attends, mon politique est bébé. Moïse Katumbi. Pour Ezali quand même. Non, Moïse, on va traiter son cas d'abord après. Parce qu'on doit se rassurer que non, il détient réellement une seule nationalité.
C'est en ce moment. Parce que la nationalité, s'il vous plaît. Non, et la nationalité congolaise. Il faut remplacer Bako Kima pour que Bako Fré Moïse. Non, on ne peut pas, être en même temps. On ne peut pas chercher en même temps qu'on ait respect à la Constitution. En même temps, on peut violer la Constitution quelque part pour avoir intérêt. Non. La Constitution dit que non, la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais si quelqu'un détient peut-être deux, trois nationalités. Et tu veux postuler comme candidat président de la République, pas candidat député, mais président de la République. Mais on doit faire attention avec vous. C'est là où la congolité devient assez importante. Quand dans ta gestion, il y a des cadavres dans ton placard. Aujourd'hui, vous ne sentez pas qu'avec Fifi Masuka, Jacques Yaboula, Katanga, et moi en plaire beaucoup par rapport aux autres, s'il vous plaît. S'il vous plaît, par dans rapport aux autres. Dans l'ensemble, Moïse Katumbi a dirigé Katanga, dans l'ensemble, quand même, il y avait des réalisations. Moi j'aime parler dans le fait. Rappelle-moi des trois faits où c'est que non, ça persiste jusqu'à aujourd'hui dans les Katanga laissés par exemple, Katumbi. Des trois faits, pas seulement, aux populations de bénéficier, non. Stade Mazembe. Construit par qui? Par Moïse Katumbi, non. Ça, c'est le côté foot. C'est le bénéfice de son équipe. Et puis, Katanga, parce que l'équipe nationale perd. Et il veut match qu'on a pour l'intérêt. Mais moi, si je vais vous parler, peut-être en ces temps, si je vais vous parler, par exemple, aéroport, aéroport à Kolwezi. C'est comme aéroport international, sous la gestion des Masuka. Centre négoce. La route Kolwezi je note d'abord des faits positifs. Je note d'abord des faits positifs. Pour ça, ils ont vendu positivement l'image à Mboka. Ils ont vendu positivement l'image à Tata Mokondi. Ils ont dominé les gestionnaires sur la Kala, notamment Bakatumbi et tant d'autres personnes. Gestionnaire, ils ont là qui n'ont pas. Mais tu sens que non, les bons managers qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Atiba Pimoua Malam, vous sentez que non, Katanga Lelo avec Jacques Yaboula et puis Fifi Masuka, vous sentez que non, les grands Katanga, ils ont embelli, ils ont un prêtre Mouroboué, indélébile. Vous sentez que non, Banzela, échangé, vous sentez que non, social, le côté social, et s'améliorer. Voilà pourquoi je parle que non, Tata Mokondi a un bilan. Matata, Bakatumbe et tant d'autres personnes, ils viendront avec un discours, ils viendront avec une promesse. Qui ne réaliseront entre guillemets peut-être pas. Mais Félix Antoine Tshisekedi a des actions réalisées. Voilà pourquoi il mérite un deuxième mandat. Si vous avez les soucis de développement de ces pays, non, c'est dans la bande de Kounyonso, tout tenir compte, il y a la réalisation. Comme on y a un adage, tiens un, vaut mieux que deux, tu l'auras. Félix Tshisekedi nous a déjà donné un avantage, quelques réalisations que je vais vous évoquer tout à l'heure. C'est déjà un autre gros Simba. Mais deux, trois, quatre, va promettre un bisou. Autre éviter les arrêts imaginaires des histoires comme ça. Mais le gars, tu as déjà Félix Antoine Tshisekedi. Et dans quatre discours, il y a un peu de solo, il y a sécurité, il y a un négocié dans le M23T, il y a un rapport au mapping. Mais tu as un peu de soukha, il y a un peu de soukha. Le gars, tu as déjà l'action du chef de l'État, au même le bisou, il y a un peu de ils ont maté quand même. Ils ont publié, mais ils ont déjà un crash. Ils ont nini mon amboka. Merci beaucoup, Ndeko, pour l'opportunité au PCBISO. Parce que, étant donné que vous allez contribuer à la vision chef de l'État, en même temps, à la réélection, vous allez non. On demande un deuxième mandat en brandissant ce qu'on a réalisé dans le premier mandat. Qu'est-ce qu'on peut brandir? Les promesses faites. Et ce qu'on a réalisé. Qu'est-ce qu'on peut brandir? Les actions réalisées en faveur du peuple congolais. Voilà pourquoi nous, bon, je peux parler de moi par exemple, de ma part, j'ai réalisé cet ouvrage intitulé « Dans l'impossible, Fatih a réalisé l'impossible en 5 ans ». Fatih a fait quoi? J'y réponds. Ouvrage de Zali intitulé « Dans l'impossible, Fatih a réalisé l'impossible en 5 ans ». Dans les possibles, Fatih a réalisé les possibles en 5 ans. D'abord, Kobanda, Koyana est dans le pouvoir, ils ont acquis d'abord Soukana Matata, parce qu'on savait que non, tout était dicté, tout était dirigé par un ancien président de la République, Détoyébi.
Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il nous avait promis que je vais déboulonner un système. Où en est-on aujourd'hui? N'est-ce pas qu'il a déboulonné le système? Mon cher, tu as dit impunité dans les corrigner. Il y a une corruption qui grandissante. Il y a un détournement qui monnaie courante. Mais aujourd'hui, vous sentez que non, comme il a voyé bon à l'État, comment on a moins de trois fois, comment on réfléchit. Tu as dit que non, je suis détourné, je suis corruption, et si l'union sont. Mais il a essayé quand même, il a dit moins d'âme. C'est déjà des histoires qui étaient impossibles, mais il a rendu possible. Dédé, il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Ce qui est constitutionnel. Mais personne n'en faisait attention. Il y a eu des gens qui ont dirigé ces pays pendant 32 ans, pendant 5, 4 ans, pendant 18 ans, mais personne n'a fait attention avec ça. Gratuité d'enseignement est devenu un fait réel sous sa gestion. Aujourd'hui, plus de 5 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école grâce à ces programmes de gratuité de l'enseignement des bases. Initié par le chef de l'État. Par exemple, je prends par exemple les cas des services nationaux. Félix Tshisekedi n'a pas créé les services nationaux. Il a trouvé ça, c'est un service créé par un ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila. Mais il est venu, il a réactivé ces services. Ces services étaient, il a mené, produisait absolument rien. Sa production était en bas de l'échelle. Mais à l'arrivée, étant que manager, il a transmis sa vision au général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, à qui j'ai dit bonjour d'ailleurs, qui a mis en exergue la vision du chef de l'État et il a commencé à produire. Les premiers mois, il a produit 1000 tonnes. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, il produit maintenant 15 000 tonnes de maïs. Tous ceux qui étaient des colons hier, aujourd'hui, ils ont pris de la valeur. Les colons d'hier sont devenus des bâtisseurs d'aujourd'hui. Grâce à la vision du chef de l'État réalisée par le général Kassongo Kabouik. Vous avez vu comment les colons étaient allés en Afrique du Sud pour prendre des formations pour d'autres métiers. Aujourd'hui, vous voyez que non, il y a des colons au Bazaki quelque part, bah, comme le lobby responsable, comme bien que sa famille, bah, parce qu'il va bah, apprendre un métier à travers le service national. Ce service national a été réactivé grâce à la vision du chef de l'État. Voilà pourquoi nous encourageons ces services avec le général Kassongo Kabouik. Et je vous donne encore un autre exemple. Nous avons dévoilé une sauté, mais. T'es parce que nous avons dit des questions avant de chuter la mission. Nous avons un livre. En même temps, la hausse du budget, le budget était à 4-5 milliards à l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Mais le long budget de ce là est commis 16 milliards. Ce sont des chiffres fallacieux. Regardez, il y a des fonctionnaires aujourd'hui au bon salaire dans la banque. Plus de 30% avec les VPM Liao. Les fonctionnaires en sont bénéficiaires. Et le côté infrastructure, n'en parlons même pas. Le côté infrastructure. Donc, centre financier, on retrouve en États-Unis, on retrouve en France, on retrouve en Chine, on retrouve en Turquie. C'est pas dans tous les pays, hein. C'est dans les pays développés, ces centres financiers. Regardez les centres culturels. Parce que j'ai des autres détails dans l'unique au développement jusqu'à ce que tu dois attendre un vernissage. Ils ont les centres culturels. Ils ont premier centre culturel en Afrique. Où ils allaient en face du palais du peuple. Non, c'est construit sous le mandat de qui? Les programmes, dans une république, il y a toujours des programmes qui sont conçus bien avant. Et quand quelqu'un d'autre arrive, s'il a la bonne volonté, il met la continuité de l'État. Et voilà. Il fait la mise en place. Et qui a fait ça? C'est Félix-Antoine Tshisekedi. C'est sa bonne volonté. Voilà pourquoi je garde encore quelques points. Banzela et Lengesa. Et Lengesa n'existait pas. Aujourd'hui, Lengesa n'appelle les lots et comme il y a peine et vous permettre vraiment des enclavés côté. Voilà. Tout ça peine à venir qui coûte. Tout ça n'a pas bien rebellé la bombe. Il y a un secours. On a un battant bouta. Maman est mort. Tout le monde, un esprit de mort. Trouve un esprit de vie dans la tienne, maman. Ah, mais esprit de mort, esprit de vieux, ça a l'allusion dans le bus. Mais le loup, vraiment, et la tienne, on a place à santé. Sur le loup, trouve la santé. Tout le monde, un esprit de mort. Parce que maman est mort, c'était vraiment un mouroir. Et on appelle ça merci, Ming, un artiste, car ma pas. Ou à ça, qui a quand même moins d'interpellation. C'était vraiment une très belle interpellation.
tout un esprit de mort et un esprit de vie grâce à la volonté de qui nous a maman et mon le sauf que maman et mon boulot nous avons un hôpital moi à Paris, c'est déjà une avancée. Voilà pourquoi moi je continue à encourager. Voilà, on n'en parle même pas. Tout ça, la prototype déjà, il y a carte d'identité. Vous savez que ça fait plus de trois décennies et demi. Tout ça, la carte d'identité. À peine un ami tout n'a pas question que ma sur la carte d'identité, vous avez sur la carte d'identité. Nous saluons d'abord le VPM et ministre de l'Intérieur, Peter Kazali, qui s'est battu tous les jours pour réduire encore les taux de Kuluna et puis essayer de rassurer, de sécuriser les Quinois et les biens, et leurs biens, de sécuriser les Congolais et leurs biens. Voilà pourquoi nous avons encouragé. Mais sur la carte, on a déjà délivré les prototypes. Vous savez, quand on a déjà délivré les prototypes, cela veut donc dire que non, la suite ou les restes arrivent dans quelques temps. Voilà pourquoi nous encourageons les VPM de l'intérêt, Peter Kazali, de continuer avec sa bonne démarche, qui va essayer de donner à tous les citoyens congolais leurs cartes. Depuis que nous avons un an depuis le bout de temps, nous avons carte. Tiens. Parce que quand on est sous carte, nous sommes à 85. Et ils ont la période à Mobutu. Peut-être. Mais tu mets le nom de la carte d'identité. C'est quoi la carte d'identité? Tu mets ça dans la carte électorale. Mais aujourd'hui, c'est quand même une avancée. Et le chef de l'État se battre à fond que non, et le Rwanda, et Salema, parce que tous les Congolais font la carte d'identité et permettre de sauter, qu'on procède aussi à fichier. Il y a quoi, nombre de l'Équateur, le grand nombre de tous les Congolais dans le pays. C'est déjà parmi les avancées. Je ne vais pas tout évoquer. Voilà. Moi, deux questions par rapport au livre. Oui. Vous avez eu quand même, parmi les Congolais, nous avons beaucoup d'éminents professeurs, les lois, dans la République démocratique du Congo. Vous avez des Congolais, mais comment on a moins dans le cas de Diego Kaïba pour réfléchir à ce livre pour suivre un chef de l'État? Quand même, c'est encouragé. Merci beaucoup. Et en tout cas, félicitations. Merci, merci vraiment, Décolivier. Merci. C'est pas moindre, vraiment. Merci beaucoup. Parce que, Ezali, une belle manière pour nous de soutenir le chef de l'État. Si je viendrais, si je venais peut-être faire des émissions, parler du bilan du chef de l'État comme ça, peut-être des émissions de Ngoleka. Mais venir avec une preuve palpable comme ça, c'est ça que non. Chef de l'État, ça l'a action bouée, n'a ni bouée. C'est la manière de faire perdurer un mot, ils allaient avoir ma livre. Non, parce que, oui, Kotikala, ils ont commis. Avantage, il y a livre, il y a des images, on a illustré aussi des images. Si on parle, par exemple, de la gratuité de l'enseignement, il y a des chiffres et puis les images. Si on parle des infrastructures, quand on parle des infrastructures, il y a des images qui sont illustrées. Par exemple, la réhabilitation à l'hôpital à Kankokolo et quand Tchatch. Vous savez qu'il y en a aussi ici. J'ai parlé même des... la loi sur la programmation militaire. J'ai même illustré aussi. J'ai vraiment des histoires que j'ai évoquées ici, qui constituent le bilan du chef de l'État. Mais Nabanza était au Saliango, dans ma maigre moyenne. Là, on peut dire ça. Absolument. Mais est-ce que vous ne demandez pas au moins le Bokomoko? Parce que ça, c'est grandissime quand même. Oui, oui. Les alliés, vraiment pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, et surtout oui. Pour le président Félix, savent que ça absolument. Concerne vraiment le président Félix, la population congolaise Mobimba, au Balinkopé, ça y est, deuxième mandat. Voilà pourquoi je tiens à faire appel ici à toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent soutenir les deuxièmes mandats du chef de l'État, qui veulent voir le chef de l'État obtenir son deuxième mandat. Vous pouvez aussi penser soutenir cette œuvre parce que ça nous permet de dupliquer cet ouvrage, tout multiplier à moi comme moi et Bélé, et distribuer aux gens, vendre ça à vil prix pour permettre à Batouba à la connaissance à ce que le chef de l'État a fait. Moi, je vais demander humblement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à Maman Denise, puisque Maman Denise aussi surtout, a contribué. Surtout Maman Denise, la fondation DNT. Voilà, DNT, puisque la Bourse Excellence, on en a parlé ici. Tout ça contribue aussi au bilan du chef de l'État. Voilà pourquoi j'ai fait appel à toutes les personnes de bonne volonté. Parce que toi, on a besoin aussi de moyens pour multiplier cet ouvrage. Et ça a moins belé. Moi, je demanderai d'ailleurs s'il y a des gens de bonne foi, tu as moyen pour produire un livre en grand nombre, en lieu de les vendre, mais distribuer ça aux gens gratuitement. Tu choisis seulement un millier, tu salues moi campagne, on distribue aux gens pour moi. Dans la chef de l'État, ça lui, par exemple, le boué. Pour moi, par exemple, je vais prendre, par exemple... Fongola, on a une illustration et image quand même. Non, par exemple, je vais prendre un gratuit ou un service national. Vous voyez, par exemple, service national comme ça. Ils allient quelque chose ou ils allient que non. Les gens vont voir, en même temps, les gens vont apprécier. Il y a quelque chose ici, j'ai vu de la part, il y a un moment d'Élise. Et c'est sûr, ou par exemple, l'hôpital, il y a quoi le Fongola? Il y a quoi le chat, s'il vous plaît? On en a parlé dans cet ouvrage.
avec des gens plein détail, combien ça coûtait, quels sont les avantages, nous, notre souhait, c'est, en lieu et place de vendre ça, une personne de bonne volonté, pourquoi pas le président de la République, il peut mettre... Même le premier ministre, et d'autres personnes, ce trouvage a besoin de vous pour permettre de produire en grand nombre. En lieu et place de vendre ça, on distribue ça aux gens. Et ça va permettre aux gens de comprendre que non, le président de la République a réalisé ceci, a réalisé cela. Et le président de la République a besoin de que les gens sachent que non, il a réalisé ceci, il a réalisé cela. Voilà pourquoi cet ouvrage va l'aider et en faire comprendre dans mon pays à battre, non. Talana Salakibé, n'a pas tout cas. Puisque Maman Denise aussi a contribué. Plus de 300 ou 200 et quelques élèves ont bénéficié de la bourse d'excellence. Ils ont quelque chose à encourager. Voilà pourquoi on en a évoqué ici. On a besoin de faire connaître les actions du chef de l'État. On nous dans ce bon bateau pour garder encore un jour il y a ouvrage et ça va nous permettre. Et le vernissage c'est quand? Le vernissage nous comptons que ça soit en mi-octobre. Mi-octobre. Voilà, nous sommes en train de préparer les derniers réglages pour nous permettre de sortir cet ouvrage dans des conditions qu'il faut. Voilà pourquoi. Peut-être. On demande surtout à toutes les personnes qui veulent nous soutenir à travers cet ouvrage, qui veulent soutenir cet ouvrage, de nous contacter par +243. 82 12 73 254. Je répète, 82 12 73 254. Là, vous allez nous avoir et on a besoin des produits en grand nombre. On lui est placé au Teka. Tu as vu la vidéo, tant au même ça, il y a directement, toi, accompagnant dans la vidéo, dans les réseaux sociaux, allez dans telle page, vous verrez telle action du chef de l'État. Et ça va permettre aux gens, basé en la connaissance, il y a Makamutata Mokondiekolo, à Sali et Bélé, les gens n'en parlent pas. Mais à travers cet ouvrage, nous allons vraiment en parler. Voilà pourquoi on flash déjà qu'il y a cet ouvrage qui arrive. Veuillez nous soutenir pour notre produit en gros et puis tout distribuer en gros. Promotion ma casse, il y a ouvrage. Merci d'avoir vraiment donné cette opportunité. Voilà, Nabanza été parce que Zali et Neritolo Belakabaxu, chef de l'été, c'est Nilez à la pérenniser. Yango Monaki beaucoup plus tant que Monaki en on a penché dans Yango Nalobi. Non, et c'est Nilez pour que tout mette un peu le bon parce que Awa, il y aura temple à vérité, un temple à preuve. Tant que tout le Belakabaxu, un chef de l'été, tant que tout le Belakabaxu, ma solo et Kosalema, le Sengil Piba preuve et accompagner Yango, et Sengil Piba vérité, mon souci et accompagner. Ah, il y a Dente. Maman Denise, par exemple. On en a parlé tout dans cet ouvrage. Vous voyez combien ça peut parler en bien au nom du chef de l'État. Parce qu'il y a des familles qui en sont bénéficiaires. Tout à fait. Banabamba Sali, Kotang Ophélé, le Gracia Bourse, Excellencia, initié par Maman Denise. Elle a contribué quand même dans le bilan du chef de l'État. C'est une bonne chose. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative d'en parler avec l'illustration. Voilà. Il y en a plein comme ça ici. Voilà, merci beaucoup. Nabanzaïté, tu as commis la souka faute de temps. Tu as tout le bel à moi. Nabanzaïté, tu as encore un numéro, mon souci. Oui, pas de problème. Non, je serai dispo. Surtout qu'on a repris avec les médias. Ouais. On est là vraiment pour parler et soutenir les chefs de l'État, communiquer. Parce que dans le monde, le bâtiment va résoudre à Bango. Voilà. Bah, journaliste rwandais, Bazali, bah, infiltré, mais ça, oui, bien. Mais là, mais soit nationaliste, on a choisi les bons côtés de l'histoire pour soutenir les institutions. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour déstabiliser nos institutions. Voilà, nous, c'était que journalistes et analystes, nous sommes dit non, nous devons nous activer sur tous les fronts. Médias sociaux et nos télés traditionnels ici. On va parler du chef de l'État, on va parler de sa vision, parce qu'il y a des gens qui vendent négativement son image. Mais pourtant, il a réalisé pas mal de choses. Voilà. Mais parce que dans le sud qui voit, et puis Vital Kamerhe Lekaki, malgré tout, ils ont eu un aperçu, mais tout le monde dit que. Et bongi na façon moko boye ba ba lo belangote. Absolument. Parce qu'il peut ngote, mais aéroport na Bukavu kuna komi elengi makasi. Nabanzaite mona mboka ba landinos bazwaki libako kolanda yo ezala ba diaspora na biso ezala bande kwa Est République démocratique du Congo ba congolais nyonso dans l'ensemble na quatre République démocratique du Congo bazuli bako kolanda yo message ni europé ça na ba congolais nyonso bazuli bako kolanda dans 30 secondes. Merci beaucoup André Olivier. En 30 secondes message nanga azali na mozali message ya d'abord ya bolingo to ba d'abord kolinga biso na biso kolinga pe mboka na biso to etika esprit wana kulinga ko exposer mboka au prix ya bapaya pour nous couper ça les pistes to pesa ba pour nous déstabiliser biso. Voilà pour nous c'est na bolingo kati na biso d'abord la première des choses kolinga d'abord mboka kolinga ba ndeko na biso ba congolais et puis de la part
Et tata mokonzi na kosenga na bato. Moto azo promettre yo, na moto a peso déjà quelque chose. Préférer moto a peso déjà quelque chose que moto azo promettre yo. Chef de l'État a réalisé des histoires que nous sommes nous-mêmes conscients que non oyo qu'il a fallu seulement cette personne arrive. Aux autres marketing a démystifié même makambo belé, ozaki o nzela poto yo, o esika to kota kate a démystifié yango. Au moins que non ah ouais, ozaki et là au moins ça dit constitutionnel, mais on mettait pas ça en application. Mais grâce à sa bonne volonté, au Likola bonne volonté, moi, humanisme, c'est à mon côté ça. Vous savez que non? Et décrisper mon macambo et belé. Sauf, parce que vous n'avez pas confondre liberté et libertinage. Liberté et libertinage est macambo et belé. Nous soutenons le respect des textes, des textes de la Constitution. Nous soutenons la liberté de penser, la liberté de parler, et non le libertinage. Parce que certains en profitent derrière ce libertinage. Il y a côté qu'a négativement image Yamboka. Voilà aussi, je vais demander à la justice de frapper fort. Là où il y a des infiltrés, il y a des gens qui pensent que non, ils peuvent se permettre tout, écrire, parler contre la République. Mais si longtemps, la République a besoin des gens qui vendent positivement son image. Et la République a aussi besoin des gens qui les critiquent. Soutenons le chef de l'État, il a un bilan positif. Et son bilan n'est pas parfait, je rappelle ici. Mais son bilan est positif. Parce que voilà. Par rapport à ses réalisations, nous comptons avec lui. Nous allons obtenir le deuxième mandat. En face de lui, il n'y a personne. Voilà. En face de lui, il y a Constant Moutamba, Rescaza. La bonne zaïté, et monsieur Sili, nous avons parti, nous avons parti, parce que monsieur Sili, nous avons déjà. Mais ça, juste moi, curiosité, moi, Namboka. Les lois, il faut défendre le chef de l'État, il y a un maigre moyen, et pousser eux-mêmes au salana livre, il y a un maigre moyen, oh lelo oh ko espérer aux autres moyens quelque chose lelo ceux qui babeti au cara na livre na manière aux soutenir babeti na bango au cara au changer position tes soi Moïse Katumbi to muto moka yo senga yo boyaka côté na ngai té non sinon attendez soit la qui bon mais tu connais.